Bonjour à tous. Du coup, après, je sais pas, peut-être un an, maintenant 2-3 ans d'absence sur la chaîne, je vais reprendre parce que j'ai acheté donc ça. Donc, j'ai acheté ça. Donc, je l'ai acheté, je l'ai réceptionné le 15 juillet, commandé fin juin. Réceptionné le 15 juillet et elle a actuellement 3 500 km. Donc j'ai bien roulé. Donc je vais reprendre les vidéos. Donc c'est une petite vidéo de présentation de l'AMT. Donc je vais reprendre les vidéos. Je vais reprendre les vidéos sur la chaîne. Et là je travaille en ce moment. Donc c'est un peu compliqué. Mais je vais être en vacances. Donc qui dit vacances dit que je vais avoir le temps de reprendre les vidéos. Donc quand je l'ai acheté avec ça. Les deux petites prises USB qui sont là, ici. Voilà. Donc le support de plaque court. Et la fameuse crack, la concession m'a offert. De toute façon, c'était la condition pour acheter la neuve. Et après, tout ce que vous voyez, les détails rouges, tout ça, les autocollants, les liserés de jantes, ça, les embouts guidons, ça, c'est tout moi qui ai rajouté. Et encore, il manque pas mal de choses. Donc, c'est juste une vidéo présentation à l'arrêt. Et puis, de toute façon, je vais faire une vidéo test en roulant, puis une balade. Mais c'est déjà pour vous annoncer que l'activité de la chaîne va reprendre et qu'il va y avoir des vidéos maintenant. Je vais pas vous dire une cadence ou quoi que ce soit, mais il va y avoir de l'activité. Je vais reprendre. Je vais aussi y racheter une GoPro. J'ai toujours mon ancienne GoPro, mais bon, la Hero 3. Donc du coup, je vais racheter, je pense, une Hero 8. Plus tard, parce que je suis aussi en train d'acheter une voiture d'ailleurs que je pourrais présenter sur la chaîne si ça peut vous intéresser. Ça sera un Golf 5 R32 full option, voilà, avec une demi-ligne. Il est assez joli, classique. Il est noir. Je pourrais le présenter aussi. Donc voilà. Au niveau de la moto, c'est très belle sonorité avec le Acra. Bon, ça lève bien aussi, hein. Ça lève même beaucoup. Ça, c'est moi qui ai racheté. Donc ça, c'est du Amazon, hein. Liseré aussi. Et voilà, hein. C'était un petit message pour vous annoncer que la chaîne allait reprendre du service. Et voilà. Petit détail en carbone ici. Donc c'est du vrai carbone, hein. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais enfin ouais, c'est du vrai carbone. Donc voilà. Après, ces pneus-là, ouais, vous voyez, il manque une toute petite, vraiment un tout petit truc, mais bon, c'est vraiment des pneus de merde. Hein, ça. D'ailleurs, je pense que tous ceux qui ont les MT doivent connaître les BT023, donc ces pneus-là, c'est absolument de la merde. Tout simplement, ça tient pas la route, enfin, c'est pas du tout le top. Donc voilà, bulle Air Max. J'ai aussi un capot de sel, donc qui est pas là. Tampons de protection, je peux aussi sûrement mettre des tampons de protection ici et ici, mais ça va être par la suite parce qu'elle va finir sur piste de temps en temps. Mais voilà, vous m'excuserez, elle est sale un petit peu, mais bon, j'ai pas spécialement eu le temps de la laver. Ça faisait longtemps en fait que ça me trottait dans la tête de reprendre la chaîne à l'achat de la moto, et je pense que je vais faire essentiellement de la moto. Et peut-être présenter quelques voitures parce qu'il y a quelques voitures sympas tout simplement dans le secteur. Donc peut-être présenter ma voiture et celle de 2-3 collègues. Et voilà. Je pense que ça sera axé sur le sport auto et moto. Et puis peut-être que j'ouvrirai une chaîne gaming aussi. Mais pour la suite, ça prend du temps. Donc surtout la moto, quoi, qui est une de mon passe-temps principal.
Je vais vous faire deux trois vues de la moto. Un peu de plus près. Et puis voilà. Avec le support quadlock qui est d'ailleurs super bien à recommander. J'ai les clignotants aussi comme ça hein, que j'avais mis à LED. À l'achat de la moto aussi que j'ai pas cité tout à l'heure. Donc voilà, reprise de la chaîne avec des balades. Je vais acheter le support GoPro mentonnière. Et une fois que j'aurai la deuxième GoPro, je pense que je calerai un support ici qui filmera donc moi. Et une prise de vue par le menton pour la route. Puis on fera des montages assez sympas. Mais voilà, donc reprise de la chaîne dans les semaines à venir. Et avec des balades, des délires, des présentations de motos et de voitures. Puis on va essayer de se faire plaisir. Et puis voilà, c'est l'essentiel. Ça fait longtemps que j'en ai envie. J'ai acheté cette moto, j'en ai eu d'autres entre temps, entre la MRT et celle-là. Mais bon, voilà. J'ai envie de reprendre les vidéos, je suis en vacances, donc on est lundi à l'heure où je vous parle, donc vendredi. Donc il va avoir le temps pour faire ça. Voilà. Donc je vous dis à rapidement sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Et puis à bientôt.